donc les objectifs c'est de déterminer le périmètre LR du triangle et du losange, connaître la règle de calcul de l'air du triangle et du losange, et résoudre des situations problèmes en utilisant le périmètre LR du triangle et du losange. Donc on commence l'exercice 1. Je complète chaque tableau. Donc regardez ici j'ai un rectangle, un rectangle, un carré. Donc je vais compléter ce tableau. Aussi je vais compléter l'autre tableau. Aussi j'ai un rectangle, un rectangle et aussi un rectangle. Rien que des rectangles. Donc quand vous voyez dans la quatrième année vous avez déjà vu le périmètre du carré et le périmètre du Rectangle. Donc je rappelle, le périmètre du carré c'est 4 fois le côté et le périmètre du rectangle c'est la longueur. Regardez ici, c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2. Donc je vais écrire la règle. Donc pour le rectangle, le périmètre égale longueur plus largeur fois 2. Donc, regardez, c'est la longueur et c'est la largeur. Et on va la multiplier par deux parce qu'il se répète, il y a deux largeurs et deux longueurs. Donc, pour l'air, l'air du rectangle, c'est quoi l'air du rectangle C'est la longueur fois la largeur. Donc, si je passe au carré, on a le périmètre du carré est égal... Quatre fois le côté. Pourquoi quatre fois le côté On remarque que le carré, les quatre côtés du carré sont égaux. Donc celui-là, égale celui-là, égale celui-là, égale celui-là. Ils ont même mesure. C'est pour ça qu'on met quatre fois C. Ça veut dire côté. Quatre fois le côté. Donc pour euh, l'air, c'est quoi C'est côté fois côté. Tout simplement côté fois côté. Donc, je vais appliquer ces règles pour, pour compléter ce tableau. Donc, le, la figure A, vous avez ici 12. Pourquoi 12 Regardez 1, 2, 3, 4, 5. C'est la longueur. Il y a 5 carreaux. Et dans la largeur, on a 1. Donc, 5 plus 1. Ici, c'est 5 plus 1. Le périmètre fois 2. Pour trouver 12 donc si on passe à la figure b pour calculer le périmètre on a 1 2 3 4 fois 2 1 2 donc 4 plus 2 fois 2 égale combien 4 plus 2 c'est 6 fois 2 c'est 12 c regardez c'est un carré donc 4 fois C, donc 1, 2, 3 fois 4 égale 12. Donc c'est 4 fois 3 égale 12. Égale, toujours égale 12. J'ai appliqué la règle. Donc pour l'air, on a dit que l'air du rectangle, longueur fois largeur, et l'air du carré, c'est côté fois côté. Donc on va chercher l'air de la figure A. 5 fois 1. Donc 5 fois 1 égale 5. L'autre, on a 1, 2, 3, 4, 4 fois 2. 4 x 2 égale 8. Donc j'explique comment on a trouvé. Donc pour C, côté fois côté, on a 3 x 3. Donc c'est 3 x 3. J'ai déjà écrit les règles ici. 3 x 3 égale 9. Donc on passe aux autres figures, D, E et F. On commence par D. Comme vous voyez le périmètre. Maintenant vous savez comment calculer le périmètre. On a ici la longueur. Et ici, c'est la largeur. La largeur égale à 1 et la longueur égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Égale 12. Donc 12 plus 1, c'est quoi C'est 13. Regardez 12 plus 1. On applique la règle longueur plus largeur fois 2 fois 2 égale 26. 12 plus 1, 13 fois 2 égale 26. Donc, on va passer à E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 plus 1, 2, plus 2. Le tout fois 2. Donc, 6 plus 2, c'est 8 fois 2, c'est égal 16, égal 16. On passe à F. On a 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Donc, 4. 3 fois 2 égale 4 plus 3 7 7 fois 2 égale 14 donc on a ici 26 16 et 14 donc on va chercher l'air même chose longueur fois largeur 12 fois 1 égale 12 maintenant vous savez les règles donc pour e on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2 égale 12. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 4 fois 3 égale 12. Qu'est-ce que vous remarquez Donc, je remarque dans le, les figures A, B et C, ils ont même périmètre, mais ils n'ont pas même air. Regardez le même périmètre, mais ils n'ont pas même air. Et si c'est le cas, c'est le contraire. On a même R, mais le périmètre qui diffère. Donc je peux écrire que, qu'est-ce que je remarque? Que les figures, que les figures A, B et C ont même périmètre. Et les figures, on a des F en même R. C'est ce, ce que je remarque. Même R. Même les figures sont différentes, ils ont même air. Ici aussi, les deux figures sont différentes, elles ont même périmètre. Donc, on passe à l'exercice 2. Oui. Donc, j'écris l'air du carré et du rectangle. Donc, on a ici un carré, ici un rectangle. Je vais écrire l'air en utilisant l'unité d'air.

Et unité, bien sûr, unité. 25 unités. Je compte le rectangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a 18 unités. Donc maintenant, je calcule AB fois AD. Regardez AB. On va la calculer fois AD. AB combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc AB c'est 6. Et AD, 1, 2, 3, c'est 3. Donc qu'est-ce que je vais calculer AB égale 6. 6 fois 3 égale 18. Donc c'est 18. Et je compare avec l'air du rectangle. Regardez, l'air du rectangle elle égale 18 unités. Et AB fois AD égale 18. Donc, et je compare avec l'air du rectangle. Donc, euh, qu'est-ce que je remarque Que AB fois AD égale l'air du rectangle. Bien sûr, égale 18. Je trouve ici 18 et ici 18. Donc, on passe, je calcule EF et EH. Regardez EF et EH. Donc, on a EF fois EH. EF c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici EF c'est 5. Et EH, 1, 2, 3, 4, 5, aussi 5. Donc, on va calculer EF fois EH égale 5 fois 5, égale 25. Et je compare avec l'air du carré. Aussi, on a EF fois EH égale l'air du carré. L'air du carré. C'est ça la règle du carré. Donc, euh, oui, égale l'air du carré. Donc, on passe au dernier exercice. J'observe les deux figures et je vérifie que les trois triangles ABH, FKL et KEF sont superposables et que les trois triangles AHC, FLI et IGF sont superposables aussi. Donc, regardez. On a le triangle ABC. Regardez ce triangle ABC. À l'intérieur, on trouve ABH. Euh, dans l'autre rectangle, on a le triangle FKI. À l'intérieur de ce triangle, on trouve le triangle FKL et KFE. Regardez K. Oui, regardez K, F, E. Celui-là est K, F, E. Donc, les trois triangles AHC, AHC et F, L, I. Regardez F, L, I. Et IGF, IGF, IGF sont superposables aussi. Donc, euh donc, regardez ici. On a euh, pour pour s'assurer que ces triangles sont superposables. Tout simplement, je vais mesurer les côtés, par exemple celui-là. Ou bien, je vais compter les carreaux 1, 2, ici, ici, 1, 2, ici, 1. 1, 2, 3, le côté AH, 1, 2, 3. Donc, FL, 1, 2, 3. Donc, c'est le même triangle. Aussi, pour les autres triangles, par exemple AHC et FLI, je vais compter le nombre de carreaux 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et AH égale FL, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je compare, je compare l'air du triangle ABC et du rectangle EJIK. Regardez le triangle ABC et le rectangle EJIK. Qu'est-ce que je remarque Ce triangle égale ce triangle. Ce triangle égale ce triangle. Donc, si je rassemble ce triangle et ce triangle, je vais obtenir ce triangle. Et, je vais, et ce triangle, avant, il est superposable à celui-là. Donc, les deux sont, ils ont même air, même périmètre. Donc, lors de la comparaison, je compare l'air. Donc, qu'est-ce que je peux dire Que l'air du triangle ABC est la moitié du triangle du rectangle EGIK donc euh, l'air du triangle ABC donc je déduis la règle tout simplement égal et la moitié de l'air du rectangle, mais oui, du rectangle E. -G -I -K. Pourquoi c'est la moitié Parce qu'il y a ici deux triangles. J'écris l'aire du triangle ABC en fonction de BC et AH. Regardez BC et regardez AH. AH, c'est la hauteur. Et BC, c'est la base du triangle. Kaïdat hadelmuthelas c'est Donc, j'écris la règle. Donc l'air du triangle égale. BC, plutôt BC, fois AH divisé par deux, puisque c'est la moitié. L'air de ce triangle est la moitié. Donc c'est ça l'air du triangle ABC. L'air du triangle ABC. Donc, euh, comme ça, on a terminé la page 48. On se rencontre dans la page 49. Au revoir.